quoi ça sert l'art? C'est inutile, donc précieux, et c'est précieux parce qu'inutile. C'est vite fait, je suis terriblement autodidacte. J'aime bien la musique, je suis assez curieux. Je continue à apprendre et à m'émerveiller de toutes sortes de réalisations sonores. J'ai vraiment tout fait dans ce métier. J'ai fait beaucoup de musique de danse, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle en France la variété. Quand j'ai commencé, j'ai fait des choses comme ça, aussi ce qu'on appelait à l'époque du folklore, des trucs comme ça. J'étais curieux de tout, j'étais probablement mauvais en tout, mais j'essayais quoi. Et j'ai appris ce que je sais de ce métier comme ça, c'est-à-dire vraiment sur le tas, si j'ose dire, en faisant danser les gens. J'ai commencé mes propres petits Mickey personnels dans une optique assez obéissante. Je pensais que c'était pas bien de froisser les gens. Je pensais que c'était bien d'être le premier de la classe, un petit peu. J'étais choqué par les gens choquants. Et puis, au bout de quelques années, je me suis retrouvé à me gratter un peu la tête, sur laquelle il y avait encore des poils à l'époque, et à me demander si ce que je faisais n'était pas justement un peu lisse et un peu inintéressant. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai rencontré d'autres musiciens de toutes sortes, qui eux ne comprenaient pas du tout, enfin choqués, quoi, pourquoi, enfin qu'est-ce que, quoi, je fais ma musique et c'est comme ça qu'elle est. Et ça m'a vraiment interrogé, au point que pendant pas mal de temps, j'étais complètement déstabilisé. Et puis, ça m'a quand même aidé à m'extirper de ce côté sage et lisse. Et depuis, je n'y suis plus retourné, je crois. Enfin, c'est moi qui crois ça, parce que d'autres croient le contraire, mais... Personne se lève le matin en se regardant dans le miroir en disant putain, j'ai marqué une génération de. Tu vois, je pense pas qu'un musicien ait une conscience d'apporter quelque chose. Hein, tu vois, je crois pas que ce soit comme ça que ça marche. En revanche, une conduite que j'essaye de tenir systématiquement, la guitare électrique a été beaucoup vue et entendue comme un instrument très malléable à toutes les transformations électroniques. Or, moi, ce qui m'intéresse, personnellement, c'est de retrouver dans la guitare électrique un côté, alors c'est peut-être une illusion, c'est peut-être une sorte de tricherie, mais c'est intéressant aussi, amusant, c'est de retrouver le côté organique qui peut parler aux gens, c'est-à-dire leur donner l'impression ou l'illusion ou la réelle sensation que je suis vraiment en train d'utiliser un instrument vivant, même si évidemment il passe naturellement par l'amplification. L'amplification, ce n'est pas la transformation du son, ça fait partie intégrante de l'instrument. C'est sa spécificité, c'est son côté maudit et son côté chanceux aussi, je crois. À tout point de vue, il y a deux mondes. Au point de vue de la conception, de l'utilisation et de la réalisation. Parmi ces instruments très jeunes qui ont été inventés et développés depuis environ, on va dire, 80 ans pour aller vite, la guitare électrique est celui qui, intrinsèquement, est susceptible des transformations les plus spectaculaires. La batterie est beaucoup moins transformable dans son essence, dans la façon dont on en joue, etc., qu'une guitare électrique, ou le saxophone par exemple, qui est un peu plus vieux, mais qui a aussi subi un certain nombre d'avatars. Et paradoxalement, on vit au milieu de gens qui utilisent et qui entendent, etc., la guitare électrique, mais c'est un instrument qui est très difficile à maîtriser d'un point de vue de la composition. Parce qu'il est très difficile à connaître, tout simplement. Un peu comme la batterie, sauf que la batterie ne bouge pas autant, les lignes ne bougent pas autant que quand on utilise la guitare électrique. Ce qui explique que cet instrument qui a été banalisé dans le caniveau de toutes les musiques possibles et imaginables, n'est toujours pas utilisé, ou très peu, ou je m'excuse souvent, très pauvrement, par des compositeurs qui par ailleurs sont vraiment respectables. À ma connaissance, mis à part Romitelli et Eötvös, je ne vois pas
il y a eu d'autres choses faites qui sont, et il y en a encore qui sont formidables, mais qui travaillent essentiellement sur ce qui aimante l'attention d'un compositeur, c'est-à-dire la transformation électronique du son dans la guitare électrique, pas son aspect purement organique, le son où on entend les doigts fabriquer le son, où on entend le souffle, littéralement. Ça, Romy Telly savait le faire, mais d'une façon aussi un peu mono-timbrale, si je peux dire. Et encore, là je parle de la guitare électrique, mais la basse électrique, par exemple, qui est présente partout. Enfin, si tu allumes la radio maintenant, forcément, même s'il n'y a pas de guitare électrique, il y aura une basse ou une imitation synthétique de basse. Moi, je connais très peu de compositeurs qui aient utilisé. Eötvös, dans Atlantis, ça fait une utilisation très intelligente de la basse électrique et de ses possibilités. Mais à part ça, ça reste lettre morte. Enfin, ça reste vraiment un désert. C'est rigolo. Quand ils m'ont proposé cette aventure un peu audacieuse, on va dire, pour le moins, j'ai essayé de me documenter, de me renseigner, et j'ai trouvé enfin, justement, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé très peu de littérature pour quatuor à cordes et guitare électrique. Et quand j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais, moi, faire avec mes pauvres moyens, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ce que j'avais entendu revenait à une négation du problème de fond, c'est-à-dire que la guitare électrique était toujours traitée d'une façon monotimbrale, quel que soit le timbre, bien sûr, mais ce qui revient à ajouter un autre instrument monotimbral à quatre instruments qui sont théoriquement monotimbraux, mais dont on connaît pléthore de modes de jeu, de sons, de trucs comme ça. Et donc, pour moi, je n'ai pas les moyens d'enrichir un cinquième instrument pour faire un quintette. Voilà, enfin, je veux dire, c'est à ce moment-là pourquoi une guitare alors que la clarinette fait super bien le boulot, par exemple. Mais mon travail avec les Bellas, j'ai essayé de le centrer essentiellement sur un travail de mariage et d'échange de timbres. C'est ça qui m'a passionné. En ne perdant jamais de vue mon travail, mon intérêt à moi, qui est de ne pas transformer électroniquement le son, qui est le son d'une guitare dans un ampli avec le minimum de transformation entre les deux. Honnêtement, on est dans une problématique de personne. J'ai dit oui au Béla, j'aurais peut-être dit non à quelqu'un d'autre que j'aurais admiré autant au point de vue artistique, mais je les connais, je sais, j'ai joué à côté d'eux, je sais quels sont je sais à quoi ils s'intéressent, je sais quelle est leur dynamique en tant qu'orchestre aussi, en tant que groupe de personnes, et je sais qu'avec eux, on va pas buter sur certains malentendus qui seraient le lot de ce genre de collaboration, même avec des gens super. La musique, c'est une question de gens avec qui on la fait, à qui on la propose, etc. Plus que de ce qu'on propose ou de ce qu'on décide de faire. C'est crucial, quoi. C'est capital dans le rendu sonore. Le son est vraiment un partage. Les vibrations ne sont pas que écrites ou que elles n'obéissent pas qu'à des volontés. Les vibrations se croisent, se marient, se défont, etc. Et tout ça se fait en fonction d'une énergie qui est peut-être pas accessible à des collaborations où on a oublié justement qu'il y avait autre chose que la qualité intrinsèque de chacun et oh, machin joue terrible, je veux jouer avec lui. C'est pas exactement là que ça se situe, je crois. Je sais pas si quand ils me l'ont proposé, ils savaient à quel point je suis passionné, fasciné par les jeux, les codes, les jeux de pistes, les signes cachés, les cryptages, etc. Ce qui est en réalité l'essence même du dodécaphonisme. Il me semble que Schoenberg propose dans un monde qui pour lui n'est plus, n'obéit plus du tout
pour aller vite au romantisme qui l'a conduit là où il l'a conduit. Il propose une grille de déchiffrement de ce monde-là, qui est vraiment justement une grille, qui est ouverte, et chacun peut prendre connaissance, non plus du programme comme on le faisait pour Berlioz, par exemple, mais de la grille. Voilà, telle œuvre va obéir à tel chiffrage, enfin à tel code. Ça, j'adore, je trouve ça super. Surtout, évidemment, dans la mesure, et ça vaut pour n'importe quelle œuvre de n'importe quelle expression artistique. Surtout quand l'artiste montre son jouet magnifique qui répond absolument à tout, qui obéit à toutes les constructions les plus exigeantes et les plus complexes. Et à un moment ou à deux moments, il y a une fêlure, il y a quelque chose où Berg hurle qu'il n'en peut plus. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça me fait penser, je sais pas moi, ça me fait penser à. Voilà, ça peut faire penser à Nabokov par moment, par exemple, qui également montre un objet absolument qu'on pourrait croire extrêmement brillant, trop brillant même, extrêmement arrogant. Berg a ça aussi, il a cette espèce de. C'est très hiératique sa musique. C'est aussi pour ça que c'est ridicule de faire ce jeu de mots avec le Berg, la montagne qu'on a dû. Mais c'est vrai que beaucoup de gens glissent sur ce Berg-là, quoi. C'est un glacier qui est quand même un peu. Et là, quand on entend vraiment, quand on entend ce qui ne peut pas s'empêcher de laisser paraître oui, de cette, enfin voilà, de son côté, de cette viande, de ce truc souffrant qui sort, c'est vraiment émouvant. J'aime bien ça. J'aime bien les codes, j'en mets partout. J'aime beaucoup l'organisation. Je suis fasciné par les structures et par l'interaction qu'il peut y avoir entre une construction très précise et donnée, et ce que cette structure peut malgré tout laisser passer d'humanité et d'expression. Ouais, je trouve ça vraiment fascinant. Moi j'essaye ça, mais bon, je joue avec ça, c'est juste un jeu. Par ailleurs, c'est vrai que ça m'a un peu énervé. Je me suis beaucoup documenté, et donc tout ce truc de décaphonisme. M'a amené non pas sur ce que j'ai proposé au Bella, mais pour le prochain travail que je commence la semaine prochaine. Juste Cyrielle, la série est passionnante. Le dodécaphonisme a peut-être ranci un petit peu. Je sais pas, non, je veux pas dire des choses comme ça. Mais enfin, voilà, je crois il y a des gens formidables qui ont vraiment tellement, tellement. Presser ce citron-là. Mais en revanche, l'aspect sériel de la chose me paraît obéir justement à plus à cet aspect ludique et brillant. Si sans entendre du tout cette pièce, on explique à quelqu'un qui n'a qu'une culture musicale basique, on lui explique sur quoi Berg travaille, comment il a organisé son truc, mais la personne immédiatement te regarde avec des yeux de cocker en disant oh, putain, autre chose quoi, parce que là ça va être vraiment trop chiant. Et en réalité, c'est pas ça. Cette espèce de jouet formidable, des pistons partout avec des correspondances le triton correspond à leurs deux aux initiales de leur prénom, ben oui, etc. etc. Il a fourré partout les chiffres. Qui symbolise et résume le sien et celui de Hannah Fuchs, par exemple. Alors j'ai cherché partout, enfin je n'ai pas trouvé comment lui a computé, a calculé ces chiffres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il les met partout. Donc moi, je les ai mis partout aussi parce que c'était fun. J'ai farci mes petites propositions du même langage cryptique pour rigoler, quoi. J'adore le tour de force qui en même temps est une œuvre solide au point de vue de l'humanité, de l'échange, et qui dure comme ça, et qui nous parle encore, c'est parce que et malgré quoi. J'aime bien ça. Suis passionné de littérature au premier chef. J'étais parti dans la vie pour m'occuper plus
de littérature et de langage que de musique, puis le hasard en a décidé autrement. J'étais un peu malheureux justement d'être obligé de faire des gammes tous les jours et de considérer la littérature comme un hobby de loin en loin comme ça. Au bout de pas mal de temps, j'ai essayé de commencer à trouver un moyen de faire se rejoindre mes deux pôles d'intérêt comme ça dans mon activité. Et j'ai commencé à réaliser des projets où je jouais de la littérature et je parlais des sons, tout ça dans une optique un peu bâtie, un peu construite comme ça. Et donc oui, j'aime bien dans ma pratique me référer à une narration ou à quoi que ce soit qui ait rapport avec le langage, y compris la musique comme langage, ce qui n'est pas toujours le cas, mais cet aspect-là des structures sonores. Quand les Bella m'ont proposé de travailler avec eux sur la suite lyrique, c'est pas cet aspect-là qui m'a attiré en premier, quoi. Berg n'est pas un écrivain, ses lettres sont les lettres d'un amoureux déçu. Il y a une narration, il y a une anecdote, mais il n'y a pas une œuvre là, il n'y a pas de littérature, hein, réellement. Berg n'écrit pas de la littérature, il écrit des lettres à son amoureuse. Vie professionnelle à moi, dans ma vie de tous les jours, j'en souffre tout le temps. Si je veux entendre ma musique, il faut que je paye pour ça. Je ne m'en plains pas, je ne trouve pas ça anormal. Juste, voilà, c'est une chose que beaucoup de gens en France qui écoutent, qui sont des auditeurs, qui sont, ne savent peut-être pas, enfin ignorent ou peut-être nieraient si on les mettait devant le fait et devant les chiffres. Mais en réalité, voilà, les clivages stylistiques sont constants. Quand j'arrive avec l'EDM dans les lieux où on me laisse le jouer, où on me laisserait éventuellement me jouer, à l'opéra, on me dit, je cite, Marc, j'ai googlé votre nom, vous êtes un musicien de jazz d'avant-garde. Quoi, la phrase qui n'est pas dite, c'est qu'est-ce que vous foutez dans mon bureau, quoi. Et par contre, si je vais là où je connais les gens, où on se fait la bise, dans un festival de jazz, on me dit, Marc, c'est plutôt de l'opéra, là, ton truc. Je sais pas si... Voilà, ça, je ne suis pas du tout en train de faire des caricatures poussées, etc. Je dis ce que j'entends, moi. La fonction dynamique de l'activité artistique, elle a toujours été contre ça. Et si on demande à quelqu'un, vous êtes pour les clivages et l'exclusion? Les mentalités, je crois, ne se font et ne se défont pas toutes seules. Si les mots et les cadres ne bougent pas, les mentalités ont beau aller contre, les nôtres par exemple, qu'est-ce qu'on fait là? On fait exactement ça. On est en train de pousser contre ce mur de clivage et de boîte. Mais les mentalités ne peuvent pas grand-chose contre un discours dominant qui possède toutes les instances d'expression. Quand pour obtenir un budget de fonctionnement, il faut remplir des formulaires dans lesquels les cases obéissent à cette fonction de style que je peux faire. Je voudrais bien qu'on me donne de l'argent pour pouvoir dire que je vais désenclaver les styles, et donc pour ça, il faut que je dise que je suis un musicien de jazz moderne et que ma pratique, c'est l'improvisation. C'est Kafka est le plus grand philosophe que je connaisse, hein, vraiment.